Ah, bonjour, je m'appelle Alain, je travaille à Côte-Ouest, au Sable-d'Olonne. Je suis responsable de la plonge, plongeur. Et j'ai trois gars qui travaillent avec moi. Alors, mon parcours, je suis de la région parisienne. J'ai travaillé dans une grande maison, un restaurant, qui faisait des fruits de mer, choucroute. Et j'étais écaillé, 25 ans dans une maison. Et quand j'y allais en vacances en Vendée, ben, j'ai vu le coin. Je suis tombé amoureux, je suis resté ici pendant 3 ans. Puis voilà, je m'y suis installé. Le métier de plongeur, c'est c'est de faire de nettoyage, vaisselle, couvert. Et surtout, plus important, c'est le ménage, qui est très important. Et le triage des ordures aussi, carton, plastique. Ben, la journée, on travaille par l'équipe de deux. Un qui fait le matin, comme moi je le fais en ce moment, et une autre personne qui commence à 3 heures. Et il reprend la relève. Vous voyez, on a une machine qui débite pas mal en plus. Et c'est heureusement qu'on a ça, parce que si on avait tout ça à la main, ça n'aurait pas aidé. En règle, l'hygiène, en fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, la propreté des ordures, des poubelles et tout ça, les vestiaires, c'est très important. Parce qu'on travaille en grande équipe et c'est la base en fait content. Toute cette équipe-là est coordonnée pour les tâches de nettoyage. Faut travailler dans une bonne ambiance et puis la journée passe vite. Dans la journée de travail, en fait, c'est que je commence le matin à 7h30 et on s'occupe du petit déjeuner de l'hôtel. Et à peu près vers 10h, c'est là qu'on commence à préparer le service du midi. Et après, ça se suit tout jusqu'à à peu près 4h. C'est à peu près ça, c'est là que ça se calme. Puis voilà, le service est déjà bien fini pour moi. Non, ça ne me dérange pas du tout de travailler même le week-end, la semaine, les jours fériés. J'ai des gars qui bossent bien, sont courageux. Non, il n'y a pas de souci là-dessus.